Oh, ok, on est contre Xerath Samuel. Je pensais que c'était contre Yasuo. J'aurais dû prendre Cleanse. Normalement, il a Star W. Si ce n'est pas un dog. On a pris les dégâts du middle du W, plus comète, plus brûlure. Parce que ça fait un mois et demi que à chaque game que je lance sur League of Legends, il y a un timing dans les 2-3 premières minutes de la game où ma souris n'est pas prise en compte comme dans le jeu et ça me fait altab. Je me suis un peu foutu de votre gueule d'ailleurs, la musique est en boucle. Faut que je change. Oh là là, ce que je lui fais. Yo. Team Shady. Ça commence à être ridicule. Tu arrêtes maintenant. Ah merde, j'ai... Ok. Il est ignoble le mec en face. Pourquoi il joue comme ça? Genre, le mec en face utilise son W pour m'orienter dans son Q. Ok, Yaramus parle topside. Je ne claque rien, ça sert à rien, je suis mort. À partir du moment où j'ai pas de clean, c'est que je prends le stun, je suis forcément mort. Ça sert à rien, le Ramus va me flash in taunt. Je le sais. Mais ils ont double TP, il est à 2-0, avec un double buff 3-0. Elle est morte, hein. Il y a un red buff. Putain, s'il était mort, ça aurait bien. C'est dommage que le Bard se soit barré. Après, je pense que si le Bard s'était pas barré, il se serait pas autant commis sur la hache à un moment. Bon, il semblerait, j'ai pas caché la map, mais il semblerait qu'on va avoir le droit à un sacré festival mid lane. Il a pas de summoner en face. Mais je m'en veux de pas avoir pris Cleanse. Hein. Xerath, Tramus. Globalement, chaque gank mid, je meurs. Hein. Si le Xerath n'est pas un étron vivant. Imo, oui, faut focus le bot. C'est CH qui peut au carry, à mon avis. Désolé. on va peut-être jouer Liandry cette game. Ça voudrait dire que j'accepte que le mec en face va dominer, mais bon. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix, il va dominer. Il a 2-0. Dominer, il va dominer cette game. Moi que ça kill. On lit Yasuo là. Y'a pas de wall. Mamacita. Y'a peut-être Xerath. Attends, il commit. Oh, heureusement, il a taunt. Elle meurt, mais il meurt aussi. Oh. Xerath est arrivé un peu late. Il est pas 6. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mort. Il a pas de flash. Si Xin peut le E, il est mort, hein. Ah. Ah, il a quand même eu H. Malaise. Après, il a pas donné de shutdown, bizarrement.
Il y a Urgo qui me vient dessus. Au reculon. J'ai eu la plate. Le job est fait. Mid-diff, hein. 18 CS d'avance. Une plate. On a le même nombre de morts, en vrai. Mid-diff, hein. Et 3 kills, c'est juste la RNG en vrai, hein. C'est pas... Y'a rien. Oh. On push une wave et je back chapter, j'imagine. Aïe. Aïe. Bon, c'est embêtant parce qu'il va dominer toute la game, quoi. Je vais go Liandry. Je suis solo AP et on doit tuer de la front lane. Ashe, elle a grand intérêt, au vu de la compo en face, à jouer... Shieldbow et pas Kraken, donc je pense être le meilleur porteur d'un item pour la front lane. C'est Urgot Rammus. Je pense que Liandry, franchement, le mieux c'est Liandry item def. Pourquoi il a pas attendu le jungle exactement? J'ai un peu de mal à comprendre. Le jungle vient pour die. Il me casse les couilles, Rammus. Voilà. Ah ouais, frérot. Oh, ça me sert à rien d'aller bot, j'ai pas de CD. À la rigueur, je peux cut le tatou. Oui, monsieur. Mais let's go. Oh, la mid-diff est sans pareil, hein. C'est... Waouh. Pourquoi ne fais-tu pas la start future market dans le match-up contre Xerath? C'est plus optique des cookies, clairement. Eh bien, attends, c'est quoi Upper tiré du bas lol? Viens dans mes DM Discord, je vais te donner ma clé de stream. Et bah, je vais te laisser mon compte, n'hésite pas à jouer les games de Vel'Koz, étant donné que t'as l'air de mieux connaître que moi la manière dont je joue mon champion après 5000 games dessus. Vas-y, n'hésite pas à me DM. Mais moi aussi je l'ai vu la vidéo de LS, mais bon... Je suis pas opaque. Enfin, je suis pas contre le fait d'avoir un peu de changement dans mon stuff ou dans ma manière de faire les choses, mais disons que, à mes yeux, ma phase de lane, mon starter et ce que je fais dans les games ne peut pas vraiment changer dans le sens où j'ai 5000 games comme ça, c'est je vais pas jouer Crystal refillable et... avoir chapter plus vite, dans le sens où contre Xerath, la plupart du temps, j'arrive même pas à back chapter quand c'est un bon Xerath, que je suis obligé de faire un back... Ah, dommage.
Je fais souvent un bac l'Urgot va être vraiment fait dans la game. Je fais souvent un bac Dark Seal avec la pote, du coup, en gros, le bac, enfin le fait d'avoir la refillable, c'est pas mal. Mais en soi, genre, je rusherai pas chapter, dans le sens où je ferai très certainement genre Dark Seal, tu vois, avant de faire le chapter. Du coup, je sais pas, ça m'intéresse pas en fait. En gros, la strat, on va dire, c'est de prendre Future Market dans les runes. Tu startes avec un cristal de mana et une refillable. Et tu back très tôt dans la game pour t'endetter avec le Future Market. Et tu fais chapter à genre 4-5 vagues plutôt que si tu le faisais à 1300 gold, quoi, en gros. Enfin bref, j'ai pas envie d'être méchant, mais genre je sais ce que je dois faire ou pas faire sur mon perso. Merci pour les conseils, mais je sais. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant de cette technique. Imo, c'est de la merde sur Vel'Koz. Enfin en tout cas avec ma façon de jouer. Je pense que ça peut être bien dans quelques match-up, mais c'est très rare. Oh. C'est quand même chiant parce qu'il prend l'Hérald et ça nous deny un Hérald top ou mid pour avoir la première tourelle, quoi. Ils ont le Drake ? Non, on l'a. On peut perdre cette game. Après, le tatou en face a l'air quand même sacrément XD. Hein. Elle va flash ? Il gagne contre le Hero, putain. Ok, H. Karinda Smurfing. Ici. Elle est morte. Deux. Pas de flash. Oh non, Azagi. Ok. Une game des plus clownesques. Oh bah. Salut. Bon, en vrai, Gorizon, hein, je pense qu'on est bien. Bah, c'est pas très marrant, en fait.
je pue la merde. Ok. Écoute, ça te met bien. Ouais. On se sent. Et déco. Oh. Ouf, le nombre de déco qu'on a dans les games. J'espère qu'elle va pas trop tarder quand même, parce que ça peut être. Enfin, je te dis, cette game, ils ont une bonne team. Hein. On peut perdre. Vraiment. Ah, ils ont une bonne compo, quoi. Une bonne team, ça, je sais pas. Ils sont 3 au top. Barre des loin. Mon Dieu. Va falloir que le Atrox arrête d'être un fils de pute. Hein. Parce que c'est chiant. Je voudrais gagner cette game fast. Il y en a marre là de ces conneries. Attends, il l'a pas stun. Qu'est-ce que c'est que ce clown? Bon, il est mort. Même avec un flash, il est mort, je pense. Sauf s'il barre de R, mais il a pas de R. Like, hein, du coup. D'accord. Enfin, il est à 0,5 quand même. Je fais exprès de me faire hit parce que je sais qu'il y a deux mecs derrière, mais... Ah, ils ont FF. Ça met bien. Respect à l'équipe d'en face pour nous funnel 16 LP gratuitement. Bah merci à RhinoShield. RhinoShield sponsorise le stream. Aucune défaite. Que des victoires. Que du bonheur, merci à eux. Ok, on va au nord. Bah, j'allais dire, on va au nord. J'ai limite envie de. Pardon, report le Ramus. Notre rôle, ce qu'il fait dans la game, c'est très grave. Bro, le flash à l'Hérald et tout, c'est n'importe quoi son gameplay. Après, ça a l'air de marcher. Hein. Bon, regarde les scores qu'il fait dans les games.
Ça me fait penser à Spyro. Vous vous souvenez de Spyro? En début de saison, quand on était encore un joueur du top 50. C'était il y a bien longtemps.